Salut à tous. Aujourd'hui, continue l'installation de l'atelier. C'est ouverture, déballage, montage et mise en place de mon nouvel aspirateur, le SAM 6. Il paraît qu'il envoie du lourd. Ça me fait bien plaisir parce que je vais avoir un réseau d'aspiration je pense à peu près au plus long d'une vingtaine de mètres approximativement. Donc il faut quelque chose qui envoie pour aller tirer jusqu'à la Rabodego qui se trouvera tout au bout du réseau. Allez, on y va, c'est parti! Je vous montre quand même comment ça se présente à l'intérieur. Voilà le corps de l'aspirateur. Ici on a deux sorties en fait qui sont livrées avec. Une sortie en 2x120 me semble-t-il, à vérifier sur les données techniques. Et une sortie livrée spécialement pour la France en 1x150. Moi je vais utiliser la 150. Livrée de série avec une chaussette. Je recevrai plus tard parce que j'ai pris l'option cartouche filtrante qui n'était pas en stock et qui me sera livrée plus tard. Manuel d'opération, le mode d'emploi quoi. Voilà. On va regarder, voilà les schémas de montage. De l'assemblage. Par contre, il n'est pas en français. Est-ce qu'il est en français plus loin? Non, tout est en anglais. Les schémas électriques de câblage. Les éclatés. La déclaration de conformité. Allez, on attaque. Thank you.
J'ai peut-être pas besoin de mon casque anti-bruit, je vais l'enlever comme ça je vous entendrai mieux. Non, pas... parlez moins fort. Bien vous entendre, mais quand même. Donc ici, il va y avoir à terme la cartouche, pour le moment la chaussette. Ici, on a l'hélice du moteur. Voilà. Là où il va y avoir le changement des sacs. Voilà, qui n'est pas un système de rond avec un truc à tenir et tout galère, mais un système de à bascule avec des joints et tout. Je pense que ça va être efficace et rapide et beaucoup plus simple à changer que les types à cerclage. On va voir ça. Ici, la commande, la mise sous tension, départ arrêt. Ici, le raccordement électrique que je ferai tout à l'heure également. Allez, continue.
j'ai démonté la prise ici simplement pour voir comment elle est câblée. Où est le noir, où est le bleu, pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Histoire de ne pas monter tout ça à l'envers. J'ai oublié de filmer l'ouverture de la prise. En tout cas, je vous montre ici. Donc, la terre sur le, dans le trou du gros bousin, là, ici. Et puis, quand on regarde comme ça, le bleu à gauche, le marron à droite. Je ne sais pas si l'image est inversée pour vous. On verra bien parce que là, je filme en mode selfie. Voilà. Et puis, je referme tout ça. Ça, ça vient là-dedans et ensuite on revisse l'autre. Ça, ça branche là comme ça. Voilà, j'ai plus qu'à mettre une prise de l'autre côté pour pouvoir me raccorder à mon réseau électrique, sachant que c'est du mono là-dedans. Je pense qu'il y a un, c'est pas un transformateur qu'on appelle ça, c'est un variateur, je crois. Enfin, moi je suis nul en électricité, je dis chaque fois que j'essaye de parler d'électricité, objectivement, je dis des conneries. Voilà, allez, j'enchaîne la prise. Michel est en chemin, il arrive, il devait arriver demain à 8h du mat. Et bien là, il est 13h, il arrive dans une demi-heure. La veille de la date annoncée. C'est quand même plutôt chouette. Parce que j'ai des copains qui ont attendu d'autres marques que je ne citerai pas. Pendant des semaines et des semaines, ça a vraiment failli les mettre dans des très grandes difficultés. Et bien là, Michel est en avance. Ça fait plaisir. En direct live, sans trucage, sans triche. Premier essai d'allumage. J'enlève tout parce que là, j'ai strictement aucun raccord. Donc c'est un peu dangereux. Il ne faut pas risquer d'aller mettre ses mains là-dedans parce que ça aspire très fort. Et si vous passez un doigt dans les hélices, je vous laisse imaginer la suite de ma phrase. Donc je vérifie, là, je mets sur off quand même. On va voir. Je suis une quiche en électricité, donc je vous avoue qu'il y a 4 chances sur 3. Oui, 4 chances sur 3 que je me sois planté. Allez. Bon, déjà, pour commencer, j'arrive pas à brancher, mais à mon avis, c'est la prise qui est difficile. Voilà, ça c'est bon. Allez, allumage, mise sous tension, je veux dire. Le variateur s'allume, ce qui est déjà un bon début. Allumage. Ça aspire. Écoutez, vous me voyez ravi, ravi. Voilà, je suis content d'avoir réussi à le faire tout seul. Vous avez la démo que c'est faisable pour installer cet aspirateur tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Évidemment, il n'est pas encore raccordé au réseau ou à une machine. Il faut rajouter les raccords et tout le reste sur le dessus. Mais ça, en soi, c'est facile. L'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer le déballage et le montage de cet aspirateur tout seul. Et je pense que c'est réussi. Je vous dis à bientôt. Allez, salut, à plus tout le monde.